Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo prévue. Le char du jour. Donc aujourd'hui le char du jour, c'est le léopard. VK1602 léopard. Donc on est parti hein. On est parti pour le léopard. On a Provence. Une map qu'ils avaient enlevée avant parce que c'était une map tellement petite. Mais du coup, voilà, ils l'ont remis. Voilà. En plus, j'ai un léger, donc ça va peut-être aller. Ils ont un top 2 en face. Yaou. Provence, pour qu'ils se prennent de sa force, cette map-là. Ils ont un top 2 et puis sur Provence. C'est un peu chaud, mais ça va aller. Mes petits alliés vont détruire. Surtout peut-être le petit KV2 aussi. Oh, on va se diriger vers par là. Il y a un autre léopard aussi. Alors dans la descente, je vais aller à combien de kilomètres heure? 50, 50, 50, 60, 70. Ah, 70 maximum. T'es de l'aide sur tel t'es de l'aide, je vois t'as 100 km heure. Le rue. Genre, ce genre, personne ne veut l'acheter, donc il est plus dans le char. C'est mon qui vient avec moi, il y a même le KV2, garde! Enfin, vous voyez pas le. Oh là là. Regarde le truc. Ils viennent tous au combat. Ils viennent tous. Il y a un VK36, putain là c'est un peu chaud. Ah, il y a un petit léopard. Il vise ou pas le gros? Il vise même pas, profite. Ah bah j'ai regardé. Là-bas, je cherche qu'on peut descendre. Putain, on l'a descendu jusqu'à 18% quand même. Le VK36 c'est le VK301H, il est déjà mort. Putain, on l'a descendu. Allez, montre-toi, petit, montre-toi. Putain, c'est une blague, je l'ai même pas tué. Alors, il y a le. Oh, il y a le petit VK. Le petit M4 qui va se répéter aussi. Bon, je barre de là parce que là. Donc, oh le toy il me dit. Ah si, il joue le toy. Putain, j'allais dire. Je me suis dit, putain, c'est une blague. Le toy il joue même pas. Putain, ce chien est géant. Pourquoi il me tire dessus ce con? Vas-y les gars, on va essayer de se faire le tog avec le léopard. Il n'est même pas détruit. Oh putain. Ok, bah l'outil a tiré. On va essayer de le rentrer dedans. Oh, viens essayer de me toucher, petite tartille. Viens essayer. Tu vas faire quoi, petite? Putain, l'autre il va me défoncer, je crois. Putain, j'ai bloqué un tir. Ender lol. Allez, monte-toi, s'il te plaît, monte-toi. Putain, un comparateur qui me défonce, ton con. Ok. Putain, je te jure, si on a. Ah non, j'ai 13%. Imaginez, les gars, j'arrive à avoir Spartiate avec le léopard, quoi. Putain, ça serait trop marrant. Non, mais franchement, ça serait con, quoi, avouez-le. Avoir le. Ça dépend. Le léopard, c'est pas un char blindé. Sur ce coup-là, avec ce char-là, j'ai du.
Putain, j'aurais pu avoir pas que de si, hein. Putain, c'est bon le logo par contre. Deux chars. Ok. Alors, il n'y a pas du char. Bon, vu que lui. Il a... Ah, il y a du coup un peu. De toute façon, les artilles sont mortes. Ah, il y avait deux M44 quand même. Et moi, j'ai défoncé une petite artillerie. Tranquille. Ah, le VK, je vais peut-être descendre les chicots. Possible. Ah, le LC, il est là-bas. C'est ce con là-bas qui a même pas aussi encore une percée. Oh, il me vise! J'ai vu, il m'a visé. Bon, il est mort. Hein. Il reste plus que le VK, dit le Cromwell. Le Cromwell, je crois qu'il va se faire péter. Le VK, il va encore plus vite que moi. Enfin, que moi. Ok, bah. Le VK, il est à 2%. Il est là-bas. Il y a moyen que j'en pète un. Hein. Ok, bah le VKD s'est fait péter. Putain, bloqué avec un léopard. Putain, je reviens pas. Bah, le Cromwell, ça va être mort, je pense. On le voit, mais je vois sa, petite truc qui dépasse. Mais ce con, il a carrément tiré un truc. Il s'en sort, ce con. Oh putain, il s'est pris un petit coup. Ouais, oh, il s'en sort, hein. Il relaxe, hein, Cromwell, hein, putain. T'as vu le Cromwell, là. Il s'est fait deux chars, là. De toute façon, il sort de la barrage, je le tue. Et le toc, j'ai failli le défoncer quand même. Et j'ai fait 833 de dégâts. Ça va pas le dire. Et il est mais il est vilain ce Cromwell. Les gars, franchement, il est vilain. J'aimerais tellement qu'il se montre, comme ça je le pète. Allez, montre-toi, petite merde. Et ça, on le voit passer là. Poum, on lui pète la toile. Putain, mais le Cromwell, il va pas se laisser faire. Oh le petit Cromwell, le... Et relax toi, je vais te péter toi. Guidi cap, idiot, mon dieu. Bon alors là aussi, il croit vraiment que je vais caper, mais il a fumé ce mec. Sur ma tête, il a fumé. S'il croit vraiment que je vais caper, mais il est malade ce mec. J'ai pas envie de me laisser tuer, moi. J'ai pas envie de me suicider, moi, il est fou, quoi. Comme si que moi, là, j'ai allé à la cape et l'autre il va me péter. MDR, fumé ou quoi ce gars-là? Moi, capé, il faut arrêter les conneries, petit cron. Bon, et c'est le chromé, il est derrière moi. Oh lolo, putain. On descend là. Bon, on va caper. Hein. Et là, tu vois le Cromwell, il se fait tous les chars à lui tout seul. Au calme. Putain, je bug. Ouais, t'es j'ai reculé. Ouais, wow, tout ça commence à bug. Oh, il est carrément là-bas ce Cromwell, putain. Il vient d'apparaître là. Faut que le caméras il le tue. Le caméras ou qu'il le tue. Je vais regarder sur la carte. Ah oh, bah il l'a tué là. Ah le gamin il aura fait quand même 4 tirs. Hein. Le Cromwell il aura tué le caméras et le gars là, un autre char, un ennemi là, un allié je veux dire. Le 40 TP il l'aura défoncé quand même. Hein. Putain. Oh bah voilà, petite bataille avec un calme. Voilà, j'aurais foutu 4 coups au tog. Voilà. Tiens, je suis un des premiers. Ah, le léopard, il aura pas fumé non plus. Et lui, je suis en face aussi. Bon, on se reprend pour une bataille. Bon, voilà, on est sur cette map là. Voilà. Bon, moi je sais pas où aller, moi. Je ne peux jamais jouer avec cette map là avec un télé. Pour l'instant, on va faire tous les Allemands parce que tous les Allemands sont dans les débuts. Là, le prochain char, donc demain, ça sera le Léopard. Pardon,
Ça sera le Panzer S35. Oh, j'en foutre. Putain, c'est quoi, c'est une usine qui explose ou quoi? Un verre de terre. Non, c'est un bout de bois. Donc, de ce qui est pour les qualités du char. Allez, je te rentre dedans. Boum! Aïe pour eux. Bon, bah voilà, on aura fait chacun un char, tu vois ça. Donc, pour ce qui est les qualités du char, c'est qu'il a un blindage de bras, on peut le dire. Enfin, même si j'ai quand même réussi encore à bloquer un tir du MX LC Biche. Alors, franchement, je reviens même pas. Il a un bon canon, il peut vraiment beaucoup percer. Et franchement, il a un bon canon ce char. C'est un bon petit barillet. Il a une bonne mobilité, il peut aller jusqu'à 60 km/h, 65. Il a un bon DPM également. Et voilà quoi. Et c'est un char allemand léger tier 5. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, like, abonne-toi. Et on va se terminer. Là, je vais encore faire mes deux vidéos. Et puis voilà. Allez, bye.